Monsieur TV la caille haïti.com, gros bonjour, bonsoir pour nous tous encore une fois. Moi content avec nous après-midi là pour nous porter et bien dernière actualité et sous pays d'Haïti, dossier insécurité, dossier la police, dossier Guy Philippe, dossier CARICOM, dossier conseil présidentiel, tout grand point ça et bien mesdames et messieurs, c'est sous channel ça, ou abjoint débat, analyse, brasse des commentaires sous conjoncture politique là dans pays d'Haïti. Policier ça va regarder là, eh bien mesdames et messieurs, c'est Alexandre Ananel avec et l'autre Vogien ça qui c'est Muska Michelet et c'est Denex ça qui prend Bois Calé jeudi vendredi 5 dans la ville Mibale. Et dans le moment où on a parlé là, faut que nous disions bagarre la dégénérée. En pile coup de balle t'a pété, eh bien écoutez la police croise Denex ça et donc qui au même t'apprend acheter balle examen pour nèg amio un dit nèg illégal yo disons et gaulois Jeff Kana. Et ben des nèg ça yo nous pral invite au garder avec nous image qui nous côté pour ben concernant et dossier ça et ben la police qui croise nèg ça avec yon niche l'argent nous pral acheter munition ak balle et donc pour bandi Kana. Maintenant qui ça nous prend jodi a police ça ou ta là pour aider peuple la police ça ou ta là pour donc courir des nèg exam ça yo et ben c'est même nèg ça yo encore qui servi et donc qui achetait pour bandi yo c'est pour acheter balle exam pour nèg. Est-ce que nous wè nan ki ça nous prend peuple haïtien? Est-ce que nous wè nan ki ça nous tomber journée jodi a policier tomber dans acheter exam ak balle pour bandi? Ça veut dire il y a travail allié ak bandi. Mais nan ki ça nous prend? Et bien, population dans Mibale, mesdames et messieurs, qui va mettre, et bien, et capon devant, yon envahi la police, yon prenne yon dans mes policiers, et yon tout bain yon bois calé, yon foi, qui nous va inviter ou attendre comment ça te. Et bien, tout ancien sénateur Don Kato, mesdames et messieurs, qui soutient bois calé là, tout, nommé et journaliste Busta John, et bien, écoutez, monsieur, là, il y a 4 dossiers là, sous Don Kato, et 4 dossiers ça aussi, yon cap tout fini. À carrière politique ancien sénateur l'Ouest là n'est quitté qu'on a crasé parlement n'est quitté qu'on a pas crasé bureau crasé chaise arraché micro dans Sénat il même aller plus loin pour la prendre matière fécale et ben vinn simaye dans tout Sénat fait n'est pas ka même rentrer dans Sénat tellement nous badichonner Sénat ak nan boucan et ben nous va inviter gain plus détails dans vidéo ça mesdames et messieurs restez connectés bonne écoute n'a tout. Et bien, le problème est qu'en actualité, nous est là, situation dominée par la police. Nous est là, les policiers là qui font bois calé, policiers qui devraient acheter munitions en République dominicaine, plus ça, c'est 5 millions de dollars à Haïtiens arrivés saisis au niveau département centre, en ville Wanamet, côté que situation, les gens de la compliqué, en pile tiré au niveau Mibale, département centre, disons mieux. Et bien, nous est là, dans l'actualité, également, diminué là. Maman y a eu la tortue, et alias les animaux politiques qui arrivaient à mourir, après Madame Imagine la Cantave, et qui arrivaient à mourir. Et nous, là, l'ensemble de notre actualité qui a dominé, et bien justement, et quand je suis là, nous allons parler de ça, encore une fois, nous allons parler de tout le monde. Eh bien, Lionel, nous avons parlé avec information, il y a Muska Michelin et Alexandre Ananel, c'est deux policiers qui perdent la vie dans la ville Mibale pendant que nous avons acheté Balan. Pour M. Kanaoyo. D'après information qui veut je nous, la police croise M. Yo à 5 millions de dollars haïtiens. Pendant le peuple, ça descend, mais yo tout passé, M. Yo, en bas bois calé, nous allons parler de ça passer dans la commune Mibale, dans le département de la Fabrié, et nous allons dire, M. Yo toujours à la balan, et dans la question foncière Beladea. Mais police ça yo, c'est Muska Michelin. Plus Alexandre Ananel, des policiers, nous avons perdu l'avion dans la ville Mibale, et bien, ils ont acheté balles pour M. Kanaoyo, d'après information qui est arrivée de la police. Mais quand j'étais croisé à M. Yo, 5 millions de dollars, Léonel, ça veut dire, des policiers, ça y est, ils ont passé en bas Bois Calé, pendant que nous avons parlé de département dans la ville Mibale. Fortuny tout Salomon, information t'a fait quoi? Le premier élément d'information t'a fait quoi? C'est à deux policiers, mais gagné information t'a fait quoi? Tout gagné on a des hauts. C'est un ancien agent de sécurité et KEP qui est le même lié. Eh bien, dans le cadre de beaucoup de filets, population en fait, quand on a des messieurs, ça reprend, ils passent, on va bois calé. La police a fini d'arrêter les messieurs, les populations sont indignées. Les gens apprennent, c'est munitions d'armes qu'ils doivent acheter. Là, on apprend que y a à disposition environ 5 millions
dollars haïtiens et la population marche dans le commissariat. Yo permet du feu, yo va ou akale. La police te fait résistance, gaz lacrymogène, balle réelle, la évacue Foula, mais Foula dit, yo pas de passe pour qui, yo pas de parti pris pour des policiers qui ont même temps abjoué wall en bas, tap dans ces pays, ça fait sans aller malaise couler, alors que nous connaissons, en plus, nous avons tout fait connaître que c'est monsieur dans le quartier populaire, monsieur civil a mis aucun problème, mais voilà, tout elle, véritablement, est sorti. Les gens qui n'ont pas de barrière, ils ont lâché dans la munition, et bien voilà, pour alimenter l'insécurité. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, bon, nous avons déjà invité à entendre extraits justement. Bon côté et plusieurs autres amis, camarades qui t'ont pris quelques extraits pour nous, évidemment. Et nous avons compris que pas vraiment de vidéo. Parce que monsieur Sario, il est passé dans le bois calé, mesdames, messieurs. Pour vendredi saint, eh bien, il est cloué sous la croix. Il est cloué de monsieur Sario sous la croix. Eh bien, bon, nous invitons à entendre extraits à l'instant même. Nous partons pour vous, mesdames, messieurs. C'est joie de là, nous n'avons mis valeur devant le commissariat pour mesures de sécurité. Nous pas qu'à bas image, mais attendez comment ça est. Donc, c'est déjà attendez en pile cartouche, mesdames, messieurs. Attendez en pile cartouche, et donc nous directement trouvez-nous exactement. Oui, c'est déjà fait. La population prend monsieur, il prend monsieur pile cartouche à tirer. Population prend monsieur nommé la police. Population prend monsieur nommé la police. En pile cartouche à tirer. Nous directement devant mairie en Konya. Et nous devant mairie. Hein. Donc c'est ça sur là, mesdames, messieurs. C'est vraiment. Oui, en pile cartouche à tirer. Et en TH force info. Nous avons mis au balai, et Jean de Dillan, et bien monsieur là, qui t'a déjà connu dans moi, on a parlé de deux présumés bandits qui t'a pas acheté des armes et munitions. Et donc, yo à terre. Cartouche à tirer. Nous devons mairie, nous avons mis au balai, cartouche à tirer. En pile cartouche à tirer, j'en attendais à. Et en TH Force Info. En pile cartouche à tirer. Voilà. Et puis nous avons un deuxième extrait pour vous, mesdames, messieurs, justement. Et nous évitons d'entendre ça à l'instant même. Il y a peine sorti avec vous là. Est-ce que ça nous fait assez cartouche et tout tirer dans la machine? Il y a peine sorti avec vous. Mi balé devant le commissariat, mi balé là. Il y a peine sorti avec vous. Et tout tiré, depuis la machine, depuis en sortant, tout tiré. On va y a peine sorti avec. C'est des nègres qui t'ont pas acheté des munitions, mais on a contrôlé plus bien pour nous connaître pour qui. Base t'as parlé des munitions pour qui est-ce pas pour qui est-ce. Mais les nègres, dans le moment où on a parlé là, ils ont en route pour y aller jeune baron. Parce qu'ils ont exécuté déjà. Après ça, c'est gazoline qui a préparé là pour y aller baron. Vous comprenez? Vous tirez les nègres, depuis la machine, vous avez des services. D'accord? Mais d'après l'information, nous avons, et c'est une là-dedans, c'est son policier. Vous comprenez? Vous avez équipé, il nous prend la journée aujourd'hui. Mais ça, qui n'a pas dit la journée aujourd'hui. Vous comprenez? Et il n'a pas contrôlé plus bien, et puis, il faut que ça gagne, il a mis nous en direct. Mes amis fanatiques, moi, je confirme toute image là. Il y a une qui avec un maillot blanc sourire, un bout de pantalon. Et belle pas faute ni gros pour qu'on cheve la tête. Il y a une qui avec un maillot rouge. Tout le monde demande le code téléphone, il dit qu'il va pas le code téléphone. Il dit qu'il va le code téléphone, il veut se refuser. Et il y a un autre même qui a été en train d'information derrière. Et finalement, il y a un cafou de mairie là, mon cafou mairie après fin physio dans machine, mais qui te fait un pile ici avant de recevoir une grande balle. Vous êtes tiré sur 1400. Mais vous avez un cafou là, il campé, m'a vérifié, mais il était du téléphone, mon bac après une image, et qu'on a mis dans le mode à pick-up là, pour y aller déposer le côté qui mérite. Vous comprenez?
que veut dire c'est information confirmée, mais sauf que nous pas cap toute image pour vous parce que yo interdit et téléphone, yo dit personne pas prendre image, seul des journalistes étaient d'accord qui te prend image seulement, mais pour population pas d'accord utiliser téléphone dans espace là pour monde prendre image. D'accord? En mission. Mesdames, messieurs, info qui nous gagnons Don Kato qui est en mission. Don Kato en mission. Mesdames, messieurs, information. Don Kato en mission. Nous connaissons l'équipe Don Kato. C'est eux-mêmes qui ont formé Phantom 509 pour être capable de déstabiliser et enlever la mort, enlever président Jovenel Moïse. Don Kato en mission. Don Kato, c'est lui-même qui était à la tête du mouvement Tiboua pour, oui, qui est Dimitri Vob. Don Kato en mission. Mesdames, messieurs, Don Kato en mission. Don Kato décidé, eh bien, former propre copal dans la police là, eh bien, mander des policiers pour capable bouler en de pays. Pour capable prendre avec Chablin de yo. L'en a plevé le matin, nous avons des gens à terre, c'est parole des policiers. Parole policiers. Don Kato, c'est lui qui a la tête base ça. Mouvement ça, des policiers, eh bien, directement, qui la chablende, yo pren moun kap passe bo la rou yo fusye yo, et puis y a lagé yo. De bo pa bo, bo la rou yon, lo leve le matin, wap jwen moun sa yo a terre. Don Kato en mission, mesdames, messieurs, encore, Don Kato en mission pour Dimitri Vob. Yo vle terrorise peuple lan, en de pays, hein, pour que même yo-même, pour que yo capable mettre yo sous dos géniaux, quand de pays. Hein. En allez, numéro 1. Nous gagnons assassinat. Grégory Sétulin, mesdames, messieurs, qui te fait sous la mort président Jovenel Moïse. Sous président Jovenel Moïse. One? Sous président Jovenel Moïse. Kounya là, y a dit que bibliothèque, école nationale là, bibliothèque, école. Normal là, mesdames, messieurs, eh bien, lui-même, il te prend du feu. Tenez bien ce qui s'est passé. Depuis sous Jovenel Moïse, tu as gagné un la nèg USGPN qui t'a tué étudiant ça, qui relait Grégory Saint-Hilaire. Eh bien, yo te vin faire connaître que c'était Grégory Saint-Hilaire, c'est un nèg de USGPN qui t'a tué. Mais, Grégory Saint-Hilaire, après la mort de Grégory Saint-Hilaire, eh bien, Bob Bibliothèque, là, il y a un nèg USGPN qui a un magasin, qui a un business, bon côté. Et c'est peut-être ça qui a été mis du feu depuis sous Jovenel Moïse. Il a été mis du feu dans la bibliothèque. Il a été mis du feu là-dedans. Parce que business USGPN, il était bon côté. C'est peut-être ça. Ça a été fait. Gros dife ko wè ap dou ke yo mette dife lan local, lan bibliothèque ki sa, lan bibliothèque nor, école normale là, eh bien, mesdames, messieurs, supérieur là, c'est pas vrai. C'était, m'te kap dou, bibliothèque la te kete boule déjà depuis sous Jovenel Moïse. Mais c'est pour la mort Grégory. Information, kap bay là. Maintenant, ça qui vient de passer. Kote ke, Negyo dou yal met difè a pa gen moun ki gen aksè a sa a la. Parce que c'est en face palè a. C'est même neg ke nou wè ki lan blende yo ki bezwen mete dossier sou ti jèn yo pa gen moun ki gen aksè kapab rive la ou pa ka rive devan palè a. En face palè a. Exactement mesdames messieurs, ou pa ka rive en face palè a côté que c'est sur la rue Monseigneur Guy You. Pour moun ki kon Ayiti, Monseigneur Guyou, ki ti nèg a sapat ki kapab rive la, se même nèg sa yo, pou yo moutro pale atake, même Don Kato an ki programme pou fè comprendre ke ti nèg yo pale rentre nan pale, fòk yo bloke pale. Même nèg Don Kato yo, yo même yo organize yo, pou yo kapab mette di fè plat nan bâtiment. Pou yo dou se nèg a sapat yo ki fèl. Pendant que pas aucun monde qui a accès en face pour monde qui connaît Monseigneur Guyou
la rue Monseigneur Guillou, en face par l'air. C'est même nèg qui l'a chayo blendé yo, yo fait met dife plate pour tout moun lever pour yo wel. Et c'est même nèg qui l'a chayo tout, kap marche mette dife plate l'a levé pour tout côté boulé. Ça c'est Don Kato pour montrer qui ça a fait en Haïti. C'est même nèg sa yo qui t'a dirigé par le groupe Don Kato, Phantom 609 là, monsieur prend même moun sa yo pour yo former pour yo mettre zam la main yo et yo bay nèg sa yo gros blendé. En de pays, c'est l'or levé. Wap wè, ça qui fait yo. Pour yo la geyo sous d'autres tigènes yo. En de pays. C'est pas tigènes yo. Oui, tigènes yo, yo même yo pillé. Yo prend des choses. Mais toute ligne bagay kap boule, c'est nek Don Kato mette yo. C'est nek Don Kato deye yo. Kap pose action sa yo. Yo dou ke, Guy Philippe pap kapab rentre. En de palais. Qui est-ce qui deye tout gros mouvement sa? Lirele Don Kato. C'est Don Kato qui forme Pop Kopal présentement. C'est Don Kato qui a dicté la police pour fusiller moun présentement. C'est Don Kato qui derrière tout mouvement que nous et qui l'ayons pour qui est pour Dimitri Vob. Parce qu'elle sent-il confortable s'il est capable de mettre yon la peur en Haïti pour le mettre et bien pour que le peuple la connaisse, yon pas qu'à manifester. C'est même soi-disant nèg sa yo qui dit que yon l'en pouvoir. C'est pouvoir Don Kato qui l'a, qui a dirigé là. Yon même yon voulait faire face à la population, hein? Mais bel et bien, oui, c'est des policiers. Ce n'est pas des civils. C'est des policiers qui sont même yon armés en rade police sous yon, yon ba yon chablende pour capable poser et bien action sa yon, oui, sous route la yon. Et même yon même, marcher maintenant pour yon dou, pour yon voyer papier par international là, pour yon dire international là, yon trop danger dans la rue. Hein? Gè trop danger dans la rue, hein? C'est même yon même qui comploté en de pays, hein? Sous crime, sous tout ça qui a boulé en de pays, hein? L'enlever pour jouer moun atè. Pour jouer moun atè, on allait plus loin. Riel Alet. L'en Riel Alet, mesdames, messieurs, gè yon blindé qui prend yon jeune garçon qui t'a marché avec madame ni avec qui enceinte. Yon jeune garçon t'a marché avec madame ni qui enceinte. Blende a pran negla. Madame n'a prele amoui. Pour yon lage negla, blende a fizye negla. Souriye la, l'ouriye la let lan. Blende a fizye dam nan, et puis le fizye negla. Yon lage yon ateyan, le moun leve pour yon wel yon. Mais c'est encore mouvement Don Kato mette en de pays pour déstabiliser pays. Là présentement, c'est Don Kato kap, encore pour Dimitri Vob, kap terrorise population. Voilà, le moment n'a pas dit là. Li dou, personne pa pralé devant palais. Li fait des tentatives bon palais pour montrer tout le monde faire attention. Li fait des moun, li voye des moun armés, pas briller. Li voye des moun armés, qui des nègres là, là international là qui des corps policiers pa yo. Vous voulez que nous comprenne ça. Là yo veulent faire exécuter un tigène, yo fait exécuter là yo veulent gens yo veulent. Aucun monde pa ka di rien. Là yo veulent mettre la terreur.